Jonathan Little, Les Bienveillantes, Ouverture. Frères humains, laissez-moi vous raconter comment ça s'est passé. On n'est pas votre frère, rétorquerez-vous, et on ne veut pas le savoir. Et c'est bien vrai qu'il s'agit d'une sombre histoire, mais édifiante aussi. Un véritable conte moral, je vous l'assure. Ça risque d'être un peu long, après tout, il s'est passé beaucoup de choses, mais si ça se trouve, vous n'êtes pas trop pressé. Avec un peu de chance, vous avez le temps. Et puis ça vous concerne. Vous verrez bien que ça vous concerne. Ne pensez pas que je cherche à vous convaincre de quoi que ce soit, après tout, vos opinions vous regardent. Si je me suis résolu à écrire, après toutes ces années, c'est pour mettre les choses au point pour moi-même, pas pour vous. Longtemps, on rampe sur cette terre comme une chenille dans l'attente du papillon splendide et diaphane que l'on porte en soi. Et puis le temps passe, la nymphose ne vient pas. On reste larve. Constat affligeant. Qu'en faire? Le suicide, bien entendu, reste une option, mais à vrai dire, le suicide me tente peu. J'y ai, cela va de soi, longuement songé. Et si je devais y avoir recours, voici comment je m'y prendrais. Je placerais une grenade tout contre mon cœur et partirais dans un vif éclat de joie. Une petite grenade ronde que je dégoupillerais avec délicatesse avant de lâcher la cuillère. En souriant au petit bruit métallique du ressort, le dernier que j'entendrai, à part les battements de mon cœur dans mes oreilles. Et puis le bonheur enfin, ou en tout cas la paix, et les murs de mon bureau décorés de lambeaux. Aux femmes de ménage de nettoyer, elles sont payées pour ça, tant pis pour elles. Mais comme je l'ai dit, le suicide ne me tente pas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, un vieux fond de morale philosophique peut-être, qui me fait dire qu'après tout, on n'est pas là pour s'amuser. Pour faire quoi alors? Je n'en ai pas idée, pour durer, sans doute, pour tuer le temps, avant qu'il ne vous tue. Et dans ce cas, comme occupation, aux heures perdues, écrire en vaut bien une autre. Non que j'ai tant d'heures que ça à perdre, je suis un homme occupé, j'ai ce que l'on appelle une famille, un travail, des responsabilités. Tout cela prend du temps. Ça n'en laisse pas beaucoup pour raconter ses souvenirs, d'autant que des souvenirs j'en ai, et une quantité considérable même. Je suis une véritable usine à souvenirs. J'ai passé ma vie à me manufacturer des souvenirs, même si l'on me paye plutôt maintenant pour manufacturer de la dentelle. En fait, j'aurais tout aussi bien pu ne pas écrire. Après tout, ce n'est pas une obligation. Depuis la guerre, je suis resté un homme discret, grâce à Dieu. Je n'ai jamais eu besoin, comme certains de mes anciens collègues, d'écrire mes mémoires afin de justification, car je n'ai rien à justifier, ni dans un but lucratif. Car je gagne assez bien ma vie comme ça. Une fois, j'étais en Allemagne, en voyage d'affaires. Je discutais avec le directeur d'une grande maison de sous-vêtements à qui je voulais vendre de la dentelle. Je lui avais été recommandé par d'anciens amis. Ainsi, sans poser de questions, nous savions tous les deux à quoi nous en tenir, l'un envers l'autre. Après notre entretien, qui s'était d'ailleurs déroulé de manière fort positive, il se leva pour tirer un volume de sa bibliothèque et il me l'offrit. Il s'agissait des mémoires posthumes de Hans Frank, le général gouverneur de Pologne. Cela s'intitulait « Face à l'échafaud ». « J'ai reçu une lettre de sa veuve », m'expliqua mon interlocuteur. « Elle a fait éditer le manuscrit qu'il a rédigé après son procès, à ses propres frais, et il vend le livre pour subvenir aux besoins de ses enfants. Vous vous imaginez en arriver là? La veuve du général gouverneur? Je lui en ai commandé 20 exemplaires pour les offrir. J'ai aussi proposé à tous mes chefs de département d'en acheter un. Elle m'a écrit une émouvante lettre de remerciement. Vous l'avez connue? Je lui assurais que non, mais que je lirais le livre avec intérêt. En fait, je l'ai brièvement croisée. Je vous le raconterai peut-être plus tard si j'en ai le courage ou la patience. Mais là, ça n'aurait eu aucun sens d'en parler. Le livre, d'ailleurs, était fort mauvais, confus, geignard, baigné d'une curieuse hypocrisie religieuse. Ces notes-ci seront peut-être confuses et mauvaises aussi. Mais je ferai de mon mieux pour rester clair. Je peux vous assurer qu'au moins, elles demeureront libres de toute contrition. Je ne regrette rien. J'ai fait mon travail, voilà tout. Quant à mes histoires de famille, quand je raconterai peut-être aussi, elles ne concernent que moi. Et pour le reste, vers la fin, j'ai sans doute forcé la limite, mais là, je n'étais plus tout à fait moi-même. Je vacillais, et d'ailleurs, autour de moi, le monde entier basculait. Je ne fus pas le seul à perdre la tête, reconnaissez-le.
Et puis, je n'écris pas pour nourrir ma veuve et mes enfants, moi, je suis tout à fait capable de subvenir à leurs besoins. Non, si j'ai enfin décidé d'écrire, c'est bien sans doute pour passer le temps. Et aussi, c'est possible, pour éclaircir un ou deux points obscurs pour vous peut-être et pour moi-même. En outre, je pense que cela me fera du bien. C'est vrai que mon humeur est plutôt terne. La constipation, sans doute, problème navrant et douloureux. D'ailleurs, nouveau pour moi. Autrefois, c'était bien le contraire. Longtemps, j'ai dû passer au cabinet 3, 4 fois par jour. Maintenant, une fois par semaine serait un bonheur. J'en suis réduit à des lavements, procédures désagréables au possible, mais efficaces. Pardonnez-moi de vous entretenir de détails aussi scabreux. J'ai bien le droit de me plaindre un peu. Et puis, si vous ne supportez pas ça, vous feriez mieux de vous arrêter ici. Je ne suis pas Hans Frank, moi. Je n'aime pas les façons. Je veux être précis dans la mesure de mes moyens. Malgré mes travers, et ils ont été nombreux, je suis resté de ceux qui pensent que les seules choses indispensables à la vie humaine sont l'air, le manger, le boire, et l'excrétion, et la recherche de la vérité. Le reste est facultatif.